Thomas Dupont, je suis chargé de mission économie circulaire à la direction environnement de la région Nouvelle-Aquitaine. La région et l'ADEME ont mis un programme en place et une vraie feuille de route sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ça date vraiment depuis 2020, cette feuille de route qu'elle a été créée. Donc cette feuille de route s'articule autour de trois phases. Donc la phase 1 et 2, c'était vraiment autour de la sensibilisation, de la formation, de la mobilisation des entreprises. Aujourd'hui, nous en sommes à la phase 3. Donc l'objectif, c'est créer un parcours d'accompagnement des entreprises pour qu'elles agissent en faveur d'une économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc de créer un club d'entreprises qui va porter une dynamique au sein de la région pour promouvoir cette économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ce programme, aujourd'hui, il est lancé actuellement. Il va commencer en mai. Nous en sommes à 9 entreprises mobilisées. Donc il y aura une aide à hauteur de 10 000 euros de la région et de l'ADEME pour aider cette phase 3. Nous, la région, donc on a vraiment une volonté de mobiliser les entreprises. Et donc c'est vraiment, on s'est appuyé dans notre feuille de route sur l'aide de l'ADI, du laboratoire Atemis et de Picaya pour vraiment avoir une expertise technique et un soutien opérationnel. Donc vraiment, on met tout en œuvre pour que les entreprises nous suivent et agissent pour cette économie de la fonctionnalité et de la coopération.